Et nous sommes repartis. Alors, nous avons armes 60, plus 60, et l'équipement aussi, plus 60. Donc, on est un peu mieux, un tout petit peu mieux. On est parti, donc niveau 91, 91 jusqu'à 100. Cette fois, on va voir un peu ce que Nioh nous réserve. On va voir un peu ça, j'espère que ça va bien se passer. Que dis-je, ça va très bien se passer, on va sûrement rouler sur tout le monde. Hop. Ok. Je me demande si on est censé... entre parenthèses, rocher. Genre, est-ce que tout le monde... tout le monde est à ce niveau, genre de puissance et tout ça. Genre, les gens font juste un Kodama, puis après ils enchaînent. Ou alors, il y en a qui vraiment qui luttent et que on a besoin de... Enfin, ils ont besoin de faire tous les Kodama et tout ça. Je me demande si c'est... Je me demande. Voilà, je me demande tout simplement. C'est comme ça. Ouais, on va refaire pareil. On peut aller en... Non. On va refaire pareil. On va rusher un peu. On va passer par là. Ah! Je sais pas où je vais. Laissez-moi passer. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. On va tellement crever. On va tellement crever. Attends. Tout le monde est ralenti, c'est bien. Ok. Allez, spam. Oh mon dieu, elle m'a tué. Ok, elle m'a encore tué. Ok, c'est bon, ça commence bien. Ok, elle m'a encore tué, tout va bien. Ok, très bien. Ok, tout le monde est ralenti. Qu'est-ce qu'elle fait mal? C'est bon. Elle m'a fait chier le fox là. Renard à la con. Je veux pas dire, mais on est mort trois fois. Mais j'ai toujours eu le temps de mettre le parchemin et tout ça. Et puis l'anima est quand même... Putain, fois trois à chaque fois, j'ai remarqué maintenant. L'anima est quand même décuplé. Hein, on récupère extrêmement vite. Donc au final, bon, c'est passé. Est-ce que c'est censé passer? Est-ce que les gens font pareil? C'est ça qui me fait rire. Ah, mais on va voir. Si jamais on lutte, on fait plusieurs Kodama, évidemment, comme j'ai dit. Dégâts de capacité yokai. Ouh. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Tsuyuki. Beaucoup de gens, j'ai vu, qui utilisaient ça. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui savent pas quoi utiliser en noyau, hein, honnêtement. Non, c'est pas ça. Je vais pas faire ça. Hop. Ok. On va faire gaffe quand elle est en... Quand elle est en mode obscur, parce que elle tape quand même beaucoup de fois en foudre et ça fait quand même très très mal. Là, il va falloir faire gaffe. Il y a certaines attaques qui font extrêmement mal. Genre ça. Oh, c'est bon. Ah merde, on n'a plus de feu. Ah
Arrête de reculer. Ok, le crâne. Non. Pas très, pas trop fait attention en fait à mes magies omnio, du coup on a plus de feu. Après on peut toujours utiliser des objets pour la, la récupérer. Mais... Genre quand elle est par terre, elle reste très longtemps par terre. Elle, pour, Même pas de cœur, t'es sérieux là? C'est un moyen. Bon ça va, premier niveau. x2, x3. Voilà, j'imagine que farmer les lapis, vous farmez ça au niveau 100 et hop, c'est tranquille. Ah bah oui, non, rien. Là, je me rappelle plus. En bas, je crois tout en bas, il y en a un. On va peut-être essayer de tomber directement. Genre non, c'est pas là. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est là. Oh merde. Je vois rien. Perfecto, on avance. L'attaque en plus, pas mal. On vire, très bien, très bien, très bien. J'aime bien la musique de Shoji. On va mettre un chat. J'ai pas crafté, j'ai complètement oublié encore de crafter des sakés. Vous avez vu les dégâts avec son attaque tourniquet là? Merde! Ouh, dans la tête en plus. Même dans la gorge, j'ai envie de dire. Très bien.
Dernier épisode, je parlais des jeux que j'ai envie de faire. Des séries là que j'ai envie de continuer ou de commencer. Il y a aussi, je crois que j'en avais parlé déjà, il y a Death Stranding, la version PC que j'ai envie de faire. Donc ça aussi, il faut que je m'y mette. Vraiment, vraiment envie de faire ça. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps un truc tout bête dans Death Stranding. Je sais pas si j'en avais parlé de ça. Parce que j'avais fait mon stream, mon dernier stream sur Death Stranding sur YouTube. Il faisait plus de 12 heures et YouTube ne sauvegarde pas en fait les streams qui font plus de 12 heures. Vous êtes obligé de faire une autre session en fait. Et après, bah, ça fait deux streams de 12 heures quoi si vous voulez faire un stream de 24 heures. Je savais pas ça et du coup j'avais perdu la fin en fait de mon... Il y a un Kodama là ? Ouais, il y a un Kodama. Du coup j'avais perdu la fin en fait de mon stream, donc la fin de Death Stranding, elle y est pas sur, sur YouTube, sur ma chaîne, je veux dire. Et ça m'avait honnêtement dégoûté sur le coup, c'est vraiment dégoûté. Mais, je savais pas, je l'ai appris il y a genre deux semaines. Sur... Merde, deux coups c'était trop. Sur Death Stranding, il y a trois sortes de sauvegardes, et ça je savais pas du tout, et honnêtement c'est vraiment super. Il y a la sauvegarde automatique, évidemment, avec les checkpoints et tout ça, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a une dizaine différentes. Et après il y a les sauvegardes manuelles, il n'y a pas que ça, il y a aussi les checkpoints, ils appellent ça les checkpoints. Et il y a plusieurs checkpoints en fait, différents, qui sont à différents moments du jeu. Donc j'en ai qui remontent en fait juste avant, enfin, ou même genre une dizaine d'heures avant que le stream se coupe et tout ça. Donc si je voulais, je pourrais complètement reprendre depuis ces checkpoints et faire la partie d'histoire qui me manque pour ma chaîne. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et ça, j'ai été vachement surpris de voir ça en fait. Je savais pas, j'avais pas vraiment fait attention. Et c'est rare d'avoir des jeux comme ça qui ont genre trois façons de sauvegarder en fait, en gros. Donc comme ça, vous pouvez vraiment recommencer certains endroits que vous aimez et tout. Vraiment, vraiment, vraiment cool. On y va, Yori. On appelle un chat. Toi, t'es une femme qui aime les chats, je suis sûr. Je préfère les chats que les chiens. Allez, on y va. Let's go. Ok, c'est une grenouille, c'est une grosse grenouille, c'est bon. On en mange plein à Paris. Ah oui, il faudrait peut-être mettre la défense contre les éléments, je suis pas complètement sûr. Ah, elle l'a tué. Oh, ah c'est le ch... Ah non, c'est la grenouille. Ouais, c'est bizarre, parce qu'il est mort là. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai entendu comme un bruit de bœuf, non ? Bizarre. Grenouille géante. Bonus d'anima sur les attaques élémentaires. On va la garder. C'est par là.
Après, on faisait quoi? On fait le tour de... Comme ça. Je viens de faire quoi? Je viens de faire le tour pour rien ou pas? Je me rappelle jamais. Non! Merde, j'ai touché le truc. Casse-toi, le renard, là, tu fais chier. Là, 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 là. Tout le monde. Viens-moi ça, viens-moi ça. Oh! Toi qui es toujours en vie. C'était plutôt fun hein, de spammer comme ça Onryoki genre 4 fois d'affilée. Parce qu'à chaque fois il me tapait un tout petit peu et tout, donc bon. Moi c'est le top pour moi. Moi c'est juste ce qu'il me faut. C'est juste des petits dégâts. Alors, on a quoi? Oui, régène. Si jamais. Je pense qu'on va peut-être. Genre décider quoi prendre. Genre si on a un régène par exemple. Honnêtement, on prendra un deuxième Kodama parce que ces régènes, c'est pas vraiment bon ou intéressant. Peut-être qu'on peut faire ça. Parce que ça prend moins d'une minute pour. Sérieux, pour aller à un Kodama, donc. On pourrait peut-être en prendre un deuxième. Tiens! Oh, tu t'es bien pris celle-là. Peut-être maudit. Ah oui, voilà. Enfin, corrompu du coup. Voilà. Fois 3, fois 2. Ça dépend vraiment des boss en fait. Ça dépend vraiment, 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 vraiment des boss. Par rapport à la difficulté. Ce qui est normal, hein, mais bon, on aurait pu croire que dans un système de fin de jeu genre d'outre-monde, tous les boss seraient quand même un peu un challenge. Mais au final, pas du tout. Après, oui, ça dépend des builds, j'imagine. Parce que pour moi, par exemple, comme j'ai dit, les humains, ils sont, c'est du easy game, hein, les humains. Après, j'imagine que pour quelqu'un d'autre, ça peut être compliqué, mais enfin, je sais pas. Je sais pas. Alors, hop. Ah putain de chien. Casse-toi. Hop là. Regardez, quand on fait un Kodama comme ça, autant en prendre un deuxième, vous voyez ce que je veux dire? Faut en prendre un deuxième si vraiment on lutte, hein, mais je veux dire, c'est un exemple. C'est juste un petit exemple. Non, pas besoin de se reposer. Ah oui, un chat. Si on en a plein des chats. Ah, Yoshi. Come here.
Ah merde. Ah putain. Bien. Putain, ça détruit le ki. Hein. Enfin, il y a quand même une dizaine d'épées et tout ça. Oui, c'était mal. Ça, ça aurait pu faire encore plus mal parce que ça m'a fait en tomber en dessous du zéro de ki. Donc si j'avais eu la hache diadée là, pour avoir les deux arts secrets. Parce que moi là pour l'instant j'ai celui qui augmente les dégâts dans les zones d'ombre. J'ai pas l'autre. Tu me fais chier de spammer le même coup. Ça c'est vraiment moche de ta part. Hein. Honnêtement, de faire exactement le même coup trois fois d'affilée comme ça. Détruit le ki quand même. Même en double A, pour ces épées qui tournent autour de lui, c'est laisse tomber. Quoi. Impossible de contrer ça. Impossible de tout bloquer, ça. Impossible de tout bloquer. Mais c'est marrant de faire des tests comme ça. De voir un peu la résistance du double A en brise garde et tout ça. Le plus de choses qu'on apprend, le mieux c'est. Très bien. Hop. On va faire pareil. Ah, je vais me perdre encore. On va descendre. C'est un chat. Monsieur le chat, as-tu vu un Kodama, s'il te plaît? Kodama. Il y a plein de bruits bizarres ici. T'as les Majomio qui font des bruits bizarres, t'as les bruits d'araignées. C'est dégueulasse. Ah oh non, pas lui. Oh, on va passer un mauvais moment. Ah, attendez. On va prendre deux chats cette fois. Merde, j'ai pas d'anima. Très bien. Très bien. Ah, j'ai trop attendu pour...
Je voulais qu'il soit confus en fait. J'avoue que c'est quand même beaucoup plus simple quand il est ralenti. Ça va. Après, j'ai pris deux chats pour avoir plus d'anima en fait, de régène d'anima. Comme ça, on n'est pas tout le temps à courir après lui. On peut faire pas mal de Gozuki en fait pour lui courir dessus. Mais au final, oui, vu qu'il est ralenti par, par la magie Omnio, ça passe. Ça passe même bien, j'ai envie de dire. Très bien. On est à quel niveau ? 97 déjà. Un truc qu'il devrait faire aussi, c'est donner une récompense pour ceux qui ont fini le... Enfin, pas une récompense, genre... Je sais qu'il y a une récompense une fois qu'on a fini l'autre monde. C'est pas ça le problème. Mais genre un skin spécial. Ou alors un tatouage spécial. Ou une armure. Genre un skin qui se rajoute sur votre armure, en fait. Genre une bannière, peut-être. Vous pouvez avoir un drapeau ou un truc comme ça. Vous voyez, pour montrer aux gens, en fait. Que vous avez fini l'autre monde. Je trouverais ça assez intéressant. Ah ouais, direct. Merde, on nous a la ralenti ce coup. Je pense pas qu'il avait cette attaque là de mettre un coup de poing par terre là, dans le premier jeu, honnêtement. Bon, après peut-être que je m'en rappelle pas hein. Mais je la trouve très stylée en fait cette attaque, le fait de charger, de sauter, de mettre un coup de poing par terre, ça fait une explosion. Classe. Pas mort. Je pensais même arrêter de taper honnêtement. Très bien. Pareil, même système. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas besoin de faire deux machins de Kodama, honnêtement. Je sais même pas si vraiment on va avoir besoin de le faire un jour. Non, c'est par là. On pourrait peut-être prendre le... Vu qu'on est invisible. On l'entend respirer, on l'entend dormir. Non. Non. Ah oui, on tombe. On va récupérer celui-là quand on tombe. Ah non, mais il y en a un là aussi. C'est vrai qu'à chaque fois. Ah, très bien. Et là, on pourrait après directement continuer et tomber, quoi. Ça ferait deux Kodama direct. Tranquille. Alors, hop. On est quoi, 98. Pouf, alors là.
Prochaine fois on le fera en, yokai. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Ah, Gozuki et Mezuki, faut pas dire, mais... Hein? Je veux pas dire. On appelle plus ça des boss à un certain niveau, hein, quand même. On appelle ça des, mobs. Des juste du trash, en fait. Des trash mobs. J'ai envie de dire. Hein, quand on arrive à un certain niveau, bon, voilà, quoi. Aïe 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 aïe. Par là-bas. C'est quand même joli elle, hein. Pas dire mais... Enfin, c'est pas qu'elle est jolie, c'est juste que... Bon, déjà, elle a une poitrine de fou aussi, j'avais pas remarqué. Non, mais c'est juste que la peau, elle est genre toute lisse et tout ça. À part la peau où il y a des écailles, hein, mais c'est genre le... Genre toute... la symétrie parfaite du visage et tout, machin. Non. Non, non, non. On est au 99. Oh, vous avez vu, c'est une tête en face, c'est des crânes en fait. J'avais même pas vu. C'est vrai que j'ai pas vraiment pris le temps de regarder. Vous avez vu, c'est des crânes. Attendez, on va prendre un screenshot. Ah, je vais peut-être m'en servirai dans la. En thumbnail en fait. Attendez, on peut pas prendre un truc encore mieux. Genre, vire-moi le perso. Désactiver. Hop. Ah, parce que pour la miniature, je sais pas trop quoi utiliser. J'ai trouvé des images de, l'outre-monde, mais elles sont pas très de. Enfin, pas de, très très bonne qualité. Donc, là, c'est pas mal. Ouais, je vais envoyer ça, je vais lui mettre sur Photoshop. Ça sera stylé. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Très bien.
Après, si on joue toujours comme ça en faisant un grab en yokai, quand on a genre mutation de. Genre attaque plus 50 en mutation de yokai et tout ça, c'est intéressant, c'est bien, mais bon, il faudrait toujours le faire, il faut penser à le faire. C'est un peu embêtant, honnêtement. C'est pas... c'est un coup à prendre, je dirais, à la limite, mais bon. C'est un peu relou. On va monter. Ah putain. Mon dieu, ça va être le bordel. What? Comme ça on le tue. Voilà. La roue elle va me foncer dans le cul. Putain de merde. Merde. Ah, elle est morte de feu. Ouais. Elle est morte du feu. Ah merde. Palier 100. Alors est-ce que ça va être difficile ou pas? Je veux pas dire, mais à chaque fois on fait une heure. Là on est à 30 minutes. Ça va être de plus en plus vite. Bah, c'est parce que je combat vraiment plus rien en fait sur le chemin. Ça y fait légèrement. Niveau. Les Kodama, dites-moi, c'est qui le boss? C'est qui le boss? C'est quoi ça avec des arbres? Oh. Non, attendez. On va faire ça. Trois petits chats. Oh non, t'es sérieux? Tout ça pour Hayabusa, quoi, putain. Oh mon dieu, vas-y, va crever. Mais va crever. Il m'a tué? Oh mon dieu! Tiens, mange. Allez les chats, on attaque. Allez, allez les chats. On s'arrête pas. Putain de merde. Attaque à la con. Allez, on défonce le ninja relou. Allez les chats, on attaque. Bien, 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 bien. Hop là. Voilà, saloperie. Hein. Bien joué les chats. Bien joué. Lui aussi, il faut que je le farme. J'ai pas toutes ces attaques. J'ai pas toutes les ninjutsu qui donnent. J'en ai pas. J'en ai deux, je crois. Deux sur trois. Bon bah voilà.
Niveau 100 fini. Comme d'hab, regarde vite fait, même si je doute que... Ouais, 62. 60, ouais, je pense que ça doit être au plus haut. Je doute qu'on ait des choses intéressantes. Transmission de grâce. Ah, du Tsukiyomi avec les griffes. Ça, je les garde parce que je voulais des griffes, moi. Je voulais les utiliser. Donc, c'est parfait. En plus, c'est les griffes que je voulais. Là aussi, il y a Tsukiyomi, mais c'est pas intéressant. Mouais, mouais, mouais. Ça fait quoi, gain rue plus? Dégâts de mêlée, armes et véloques. Alors, gouverneur. Non. C'est Nagatsu, ça c'est pas mal. C'est dégâts de mêlée indemne, dégâts de ki de compétence. Nous, on a quoi? On a annulation prolongée. Dégâts de mêlée indemne et dégâts de ki de compétence. Dégâts de ki de compétence. C'est pas mal, c'est pas mal. Quatre kits compétents. Ouais, non, c'est pas la bonne transmission de grâce. Ouais, du coup, on va garder ça. Ça, c'est nul. Transmission de grâce. C'est nul. Putain, ennemi à court de ki, c'est ça qu'il me faut. On va le garder. Et c'est tout. Ouais, j'avais dit quoi? Les gants? Non, l'arme. Là, on a Magatsui, donc du coup, on pourrait mettre... ça, c'est Tsukiyomi. Du coup, il nous faudrait... Il faudrait qu'on change Magatsui. Attendez. Il nous manque du Magatsui. Voilà. Magatsui... Ah, ben voilà. On peut faire ça. Hop, peut-être Soke. Et là, on met Arquebuse. Ouais, c'est bon. On est bon. Comme ça, on pourra augmenter les gants. Enfin, les points. Je vais pas le faire maintenant, parce que de toute façon, j'ai pas de niveau. Voilà, c'est vraiment la paire de gants que je voulais. C'est celle corrompue et avec la bonne grâce. Enfin, une des deux grâces que j'utilise. Donc du coup, je vais pouvoir taper avec, genre en multijoueur et tout ça, pour m'amuser, pour augmenter ça. C'est cool. Bon voilà, vidéo déjà finie. 40 minutes en fait. prochain épisode donc. 101 jusqu'à 108, je crois que c'est le maximum, on va voir. On verra ça. Et ça sera la fin de l'Outre-Monde. Voilà, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.